things. And lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may also glorify you. Even as you gave him authority over all flesh, he will give eternal life to all whom you have given him. This is eternal life, that they should know you, the only true God, and him whom you sent, Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous n'allons pas trop tarder sur le message. Moi, je ne tarde pas trop. Avec 10 minutes, je vais prêcher. Même si on peut. Et il a dit, Father, Père, the time has come. Le temps est venu. Glorify your Son. Glorifie ton Fils. That your Son may glorify you. Pour que ton Fils te glorifie. Even as you gave him authority over all flesh. Ainsi que tu lui as donné l'autorité sur toute chose. Sur toute chair. Sur toute chair. You give him authority over all flesh. Tu m'as donné autorité sur toute chair. He will give eternal life to all whom you have given him. Il donnera la vie éternelle à tous ceux à qui tu as destiné pour lui. And this is the eternal life. Voici la vie éternelle. Voici la vie éternelle. That they should know you. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. You the only true God. Toi le vrai Dieu. And him whom he sent. Jesus Christ. Et toi, tu as envoyé Jésus-Christ. Brothers and sisters. Frères et sœurs en Christ. Let me tell you something today. Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. If you don't know the true God. Si vous ne connaissez pas le vrai Dieu, we die. Vous mourrez. We go to hellfire. Vous irez à l'enfer. Praise the Lord. Alléluia. The only true God. Le vrai Dieu. Has no any image. Pas d'image. The fake God. Le faux Dieu. That people adore, serve today. Que les gens adorent aujourd'hui. Is idols. Ce sont les idoles. Idols. Ce sont les idoles. And you that are making these things, et vous qui faites cela, you will never inherit the eternal life. Vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Brothers and sisters, frères et sœurs en Christ, if you know God, the only true God, si vous connaissez Dieu, le vrai Dieu, you must also know Jesus Christ that he sent. Vous devez aussi connaître Jésus-Christ qui l'a envoyé. You don't know Jesus Christ. Si vous ne connaissez pas Jésus Christ, you can't go nowhere. Vous n'irez nulle part. You can't go anywhere. Vous n'irez nulle part. Because Jesus is the way. Parce que Jésus Christ est le chemin. The truth. La vérité. And the life. Et la vie. Jesus is the way. Jésus est le chemin. The life. La vie. Il est the truth. Et la vérité. So, merci. Jesus is the gate that can conduct you to into the kingdom of heaven. Jésus-Christ est la porte qui peut vous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. He is the door that will lead you to the kingdom of heaven. Si la porte qui va vous conduire dans le royaume de Dieu. I say Jesus is the gate, the door. If you don't enter by Jesus Christ, si vous n'entrez pas par la porte de Jésus Christ, you will never go into heaven. Vous n'irez pas au ciel. That's why he said in his message, John chapter 14. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole dans Jean chapitre 14. From verse 1 to 6. Du verset 1 à 6. He said that there are many, many houses in my father's house. Il dit dans sa parole, il y a beaucoup de demeures. If that is not so, I will never tell you. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. So I will go. Donc j'irai. To prepare the place for you. Pour préparer la place pour vous. After preparing the place for you. Après avoir préparé la place pour vous. I will come back. Je reviendrai. And take you. Et je viendrai vous chercher. Where I am. Pour que là où je suis. You
also may be there. Vous serez aussi. So, brothers and sisters, alors, frères et sœurs, if you refuse to accept Jesus as your Lord and Savior, si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, we love Noah, Noé. Lorsque le Seigneur a dit à Noé, go and make an ark for me. Lorsqu'il a dit, va me fabriquer une arche. When Noah finished the ark, he put only dog on this ark. Lorsque Noé a fini l'arche, il a mis seulement une seule porte. This dog represents Jesus Christ. Cette porte représente Jésus-Christ. Because all people of that time they refused to enter this ark. Parce que tous les gens de ce temps-là ont refusé d'entrer dans cette arche. But all the animals of the forest, tous les animaux de la forêt, entered into this ark through the door. Sont entrés dans cette arche par cette porte. And the Lord closed the door. Et le Seigneur Dieu a fermé la porte. And the rain started. Et la pluie a commencé. And all those people that refused to accept to enter this door, et all of them died. Tous ceux-là qui ont refusé d'entrer dans cette arche par cette porte sont tous morts. So you too today. Donc toi aujourd'hui. We are preaching to you. Nous vous prêchons aujourd'hui. We are telling you about Jesus Christ. Nous vous parlons de Jésus-Christ. And you don't want to accept. Et vous ne voulez pas accepter. You continue in your bad way. Et vous continuez dans vos mauvais chemins. You kill your fellow brother. Vous tuez vos prochains. You go after idols. Vous adorez les idoles. You go after witch doctor. Please. Vous allez consulter les sorciers, les sorciers. So if you do not return back si to your God, si vous ne vous retournez pas derrière ces choses, to come back to your God, pour revenir à votre Dieu, you will go to hell fire. Vous irez dans l'enfer. And I and Jesus Christ don't want you to go to hell fire. Et moi et le Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas que vous alliez dans l'enfer. All the messenger of God, tous les messagers de Dieu, they don't want you to go to hellfire. Ne veulent pas que vous alliez dans l'enfer. That's why we are talking, we are preaching every day, we are crying every day. C'est pour cela que chaque jour, chaque instant, nous prêchons la parole de Dieu. So, brother, mon frère et soeur, you that are not giving your life to Jesus Christ, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus Christ, give your life to Jesus Christ. Au Seigneur Jésus Christ. If you don't give your life to Jesus Christ as from now, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, it may be late. Ce sera trop tard. So God loves you. Le Seigneur vous aime. God loves you. Dieu vous aime. And Jesus Christ also loves you. Et le Seigneur Jésus Christ également vous aime. That's why what you cannot do, God do it. C'est pour cela ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu l'a fait. He gave his only begotten son. Il a donné son unique fils. For sacrifice. Pour le sacrifice. You cannot give your son to me too. I cannot give my son to him. Vous ne pouvez pas donner vos enfants à tuer. Moi même qui suis là devant vous, je ne peux pas donner mon enfant. If you want to speak, we have to talk, you say, I will do like Abraham. Lie, we can't do it. Yes, you can't do it, never. Your baby. So somebody will say, give me the baby, go and sacrifice to me and yourself, never. But the Lord gave Abraham grace. He gave Abraham grace. And Abraham started to do the sacrifice for God. Abraham a commencé à faire le sacrifice à Dieu. But God said, leave this stone. Go and take this sheep. Le Seigneur Dieu a dit à Abraham, laisse ce fils là tranquille. Va chercher ce taillon qui a coûté pour le sacrifice. So my brothers and sisters, donc mes frères et sœurs en Christ, tonight, ce soir, the word that you hear, you are hearing now, le message que vous êtes en train d'écouter ce soir, go and think about it well. Allez réfléchir
par rapport à ça. And pray God. Et priez le Seigneur. If you are a sinner, si vous êtes un pécheur, you are an adulterer. Si vous êtes un idolâtre, oh, adulterer. Ou adultère, go and tell God, help me. Allez dire au Seigneur, aide-moi. To change. À changer. If you are a thief, si tu es un voleur, say Lord, help me to change. Dis Seigneur, aide-moi à changer. If you are a witch or wizard, si tu es un sorcier ou un sorcier, say Lord, help me to change. Dis Seigneur, aide-moi à changer. I want to enter into your kingdom. Je veux entrer dans ton royaume. Help me, Lord. Prayers. Nous allons faire trois prières. Say Lord. Dis Seigneur. Tonight. Ce soir. I come to you. Je suis venu vers toi. I want to be your son, your daughter, your son. Je veux être ton fils, je veux être ta fille. Help me. Aide-moi. To change. Aide-moi à changer. My bad life. Help me to change. Aide-moi à changer mes mauvais comportements. My bad behavior. Help me to change. Mes mauvaises habitudes. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Open your mouth for me to pray. In the mighty name of Jesus, Lord Almighty, I pray today, help your children, help us to change our bad behavior in Jesus' name. Help your children, help them, Lord, help all of them to change their character, to change their behavior in the mighty name of Jesus. In Jesus Christ, Almighty name, we pray. Amen. Hey, As I'm talking, I say, Lord, the healing is in the word of God. The deliverance is in the word of God. The success is in the word of God. The blessing also is in the word of God. I'm going to pray for you now. Je vais prier pour vous maintenant. You will say amen aloud. Vous allez prier amen à haute voix, très fort. I will pray. You that are sick. Je vais prier et vous qui êtes malade. You that are poor. Vous qui êtes pauvres. You that are bound by my enemy, by devil. Vous qui êtes liés par les ténèbres. The Lord will deliver you tonight. Le Seigneur va vous délivrer ce soir. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. This is our ship called the choir. Not met choral qui se trouve ici. We did 3 days last time. La dernière fois, nous avons fait 3 jours de manifestation. We finished on Friday. Nous avons fini le vendredi. On Saturday. Et le samedi. A friend called him. Un ami l'a appelé. He said, brother. Il a dit, frère. Are you buying cargo with me this year? Peux-tu m'aider à acheter de la nakat cette année? And the man said, yes, I will help you. Et notre maître a dit, oui, je vais t'aider. He gets the job. Il a trouvé le travail. And he buys a motorcycle, a Bajaj new tire. Et il a acheté une nouvelle moto Bajaj. He's there. Et c'est où là? Last 3 days that we did, buy new tire. I believe God, my God that I'm serving. Je crois en mon Dieu que moi je sais. If you pray tonight very well, in these 5 days, pendant ces 6 jours, the Lord will see you too. Le Seigneur vous visitera. The Lord will see you too. Le Seigneur vous visitera. I believe. Je le crois. I say this girl, that girl that will see them. Only Saturday she came here. The Lord deliver her. Je from parle de la qui est au fond là-bas. C'est le Saturday. The Lord deliver her. Elle, le Seigneur l'a délivrée. And she, Baba. Elle a dit Papa. I believe that something left me. Je crois que quelque chose m'a quitté. Because I saw a light from above upon me. Parce que j'ai vu une lumière du ciel descendre sur moi. And she delivered. Et il m'a délivré. Brother, if I pray now, frère, si je prie ce soir, your amen will be aloud. Amen. Que vos amens soient forts. Père au nom de Jésus. Amen. Éternel mes amis. Amen. Tendez vos mains. Seigneur, déverse ton sang dans les mains de ces gens-là aujourd'hui. Amen. Que leurs mains soient sanctifiées par ton sang. Amen. Lorsqu'ils vont poser leurs mains sur leur mal, leur maladie,
que tes enfants soient guéris. Amen. Ok, posez vos mains sur vos têtes. Put your hand on your heart. Père au nom de Jésus. Amen. Ce soir, l'Éternel Dieu des armées. Si c'est l'ennemi, pose ta main, n'importe où tu sens de douleur. Maman, Fioro est beaucoup. Fioro est beaucoup. Elle voit beaucoup. Yes. C'est l'or. Lord Jesus, tonight, your children are sick. Those who are sick, receive your healing in the name of Jesus. Amen. I say you that are sick, I pray for you. Be healed. You that are possessed by demons, by snake, by spirit of witch and wizard, I command to this spirit to come out. Amen. 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 You that Satan shame on the altar, I command to this chain to be broken. Amen. I said, I command to this chain to be broken. Amen. Even the shame. Qu'ils n'ont tenu bien depuis des années soient brisés. Que ces jeunes dorment. Que ces jeunes dorment. Toi qui es stérile, l'esprit de stérilité sort de toi, mon Dieu. Esprit de stérilité, sort de toi. Le sperme, que ton sperme est malade. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Toi que les ennemis ont mis barrière devant toi, que cette barrière soit brisée. Sois brisée. Sois brisée. Tout obstacle, tout embûche que le diable a mis devant toi, sois déraciné. Sois libéré. Amen. Sois guéri. Amen. Percé. Amen. Percé. Amen. Percé. Amen. Restauration. Amen. I say breakthrough. Amen. Breakthrough. Amen. Breakthrough. Amen. Restauration. Amen. Restauration. Amen. In Jesus Christ, I'm at your name. Let somebody shout in the hallelujah. Sur les hôtels d'idoles, que tu ne vas jamais réussir. Dis Seigneur, ces hôtels d'idoles qui portent mon nom soient calcinés. Soient calcinés. Feu de Dieu délire, cassez-les. C'est any altar, any devil altar that carry my name, that carry my destiny, that carry my diploma. C'est Lord, consume them by fire. Prayer in the mighty name of Jesus. Any evil altar. Any devil altar that carry their name, the name of your children, be destroyed, be consumed, 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 be destroyed, be consumed. In Jesus Christ, Almighty name, we pray. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ceux-là qui se réunissent en mon nom contre moi, que ce soit dans les troncs d'arbres, d'Iroko, de Baba, sous l'arbre, dans les airs, sous l'eau, Seigneur Jésus, disperse-les. Envoie ton éclair, disperse-les, Seigneur. Envoie ton tonnerre pour les disperser. À n'importe quel endroit où se sont réunis contre toi, c'est pour les disperser.
c'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit, les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons maintenant passer très rapidement avant de faire les choses. Les choses vont tourner aujourd'hui autrement. On va passer à l'offrande et puis après l'offrande, on va accueillir les étrangers qui sont venus au milieu de nous. Vous avez compris? Jésus aime ceux qui sont reconnaissants envers lui. Jésus, il aime ceux qui sont reconnaissants envers lui. Ceux qui reviennent sur le pas pour lui rendre grâce. Praise alors. Nous avons lu dans notre message tout à l'heure, dans l'évangile, lorsque Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans le village, dit un peu, viens à la rencontre de Jésus, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Prés alors. Bien-aimés dans le Seigneur, les dix lépreux sont malades, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont malades, qui ont besoin de la guérison auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ils savent que Jésus peut les guérir. Raison pour laquelle ils élevaient la voix en lui disant, maître, aie pitié de nous. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Allez vous montrer. Jésus n'a pas dit, soyez guéris. Non. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur pour montrer que vous êtes déjà guéri. Parce que les lépreux ne restent pas en ville au milieu des champs. J'ai menti. À Gaza, il y avait un endroit qu'on appelle entre l'itéré là, vers le CD où est-ce pas là. C'est là les plus restaient quand ils étaient petits là-bas. Donc ils ne restaient pas au milieu des gens parce qu'ils peuvent contaminer les gens. Prés alors. Donc raison pour laquelle Jésus disait allez vous montrer parce qu'ils ne restaient pas en vie, ils étaient dans la brousse. Maintenant allez vous montrer aux prêtres pour que les prêtres sachent que vous êtes déjà guéri. Mais il faut donner au prêtre ce que Moïse vous a prescrit comme offrande que vous devez donner au prêtre pour montrer que vous êtes guéri. Mais sur le chemin, lorsqu'ils allaient, les dix là allaient sur le chemin, ils ont constaté qu'ils ont reçu leur purification, la guérison. Prêtre alors. Les lèpreux, on ne guérit pas la lèpre, on purifie la lèpre. Prêtre alors. La lèpre incarne le péché. La lèpre que vous voyez là, ça incarne le péché. Donc, on purifie le péché. On lave, Jésus a lavé le péché. Donc, la lèpre incarne le péché. Donc, c'est pour cela qu'on purifie le péché. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 là, vous allez voir qu'il y a un homme qu'on appelait Naaman qui était lèpreux. Et il est allé voir le prophète Élisée. Élisée lui disait, il ne l'a pas dit, il ne l'a même pas laissé s'approcher. Il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et là, qu'on se passe gonflé. Puis c'est Jérôme. Qu'on se passe gonflé. Et il s'est retourné 7 fois. Et sa servante a dit, mon maître, si le prophète a dit ce qui est plus difficile que ça, tu allais faire ça. On t'a dit d'aller te laver 7 fois seulement dans l'eau. Et tu t'es fâché. Et il s'est repenti. L'orgueil a quitté.
Il y a plusieurs d'eau, le fleuve chez vous là-bas, on peut aller. Vous voyez, quand je suis arrivé là-bas, pour ça fait sur moi et je suis dit non. Des fois, si vous allez devant un homme de Dieu, il n'a pas besoin de mettre ça sur toi avant que tu sois guéri. Il va parler sur toi et tu seras guéri. Prise alors. Ouais. C'est ça. Et quand il est arrivé dans le fleuve, il s'est plongé une fois, deux fois, trois fois, septième fois comme ça là. La lèpre l'a quitté. Et sa mère qui était coupée la mère, les orteils qui étaient, elle est redevenue comme un courant bébé. Prise alors. Donc, il était purifié. Donc, on purifie la lèpre. Prise alors. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tous ces dix-là furent guéris, il y a un parmi eux qui s'est retourné sur ses pas. Revenu vers Jésus, il s'est mis à genoux et dit, Seigneur, vraiment je te dis merci. Tu as enlevé mon opprobre. Tu as enlevé ma honte de ma vie. Maintenant, je suis venu te dire merci. Il n'apporte pas glorifier le nom du Seigneur Jésus. Présentement. C'est ça. C'est ça. Ce que vous voyez, ce que les papas là sont venus faire aujourd'hui, là. Surtout papa, papa le grand père, lui, croit vraiment, c'est un grand voyant, prise à l'ordre. C'est lui que j'ai rencontré à la banque Bioa, là. Il a quand même parlé de sa fille. Oh, ma fille, là. Moi, il dit, je suis un pasteur posé. Il dit, ah, j'ai ma fille qui a enceinte le mois de dépasser. Ils ont attaché l'enfant. Papa, il faut venir. Avec ton enfant. Ils ont fait au moins deux semaines avant de venir. Quand on s'est venu là, j'ai fait deux semaines comme ça. Et le Seigneur a agi. Ils sont venus là, ils m'ont dit comment ça s'est passé. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Dieu s'est agi. Donc, c'est parce que Dieu a agi dans leur numéro qu'ils sont revenus sur leur part. C'est papa qui faisait le péché parce que le chef n'a pas de temps. Prise alors. Donc, papa, là, il croit vraiment en Dieu. Et je remercie le Seigneur pour votre vie au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas pour ça que seulement, elle m'a encore confié sa pétition à la dame. Hein? À rêver. Sauf sa pétition qui est malade encore. Quand sa prière est délivrée, on a dit, ah, j'ai ma pétition là, il faut commencer à prier. Elle, la soeur aussi, Jésus l'a touchée. Prise alors. Donc on n'a pas besoin d'être présent en présence de Jésus avant d'avoir son miracle. Si tu crois seulement par téléphone, les choses vont s'opérer. Prise alors. Donc, si ton homme est revenu, se prosterner devant Jésus. Seigneur, vraiment, je te remercie. Ma lèpre est partie. Je suis maintenant libre. La honte que j'avais est terminée. Le propriétaire de ta vie m'a terminé au nom de Jésus. Ce que les gens sont en train de voir en toi et se moquent de toi, l'Éternel Dieu va enlever cette preuve au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Jésus a dit, ah, vous êtes au nombre de 10. Où sont les 9 autres? Eux aussi, ils ont reçu la guérison, mais où sont-ils? Et c'est ceux étrangers. Qui est samaritain, c'est lui qui est revenu sur ses pas pour donner gloire à Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Ce message avait me dit tout simplement, c'est pas tout ce que tu as fait que tu peux manger. Prise alors. Enfant dit, eh ouais, bien, tu peux mourir. C'est ça on dit non. C'est pas tout ce à qui tu as fait du bien qui peut te reconnaître ça. Prise alors. Ton bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Et j'ai déjà dit à ce temps. Lève-toi, mon fils, ta foi t'a sauvé. Ce que Jésus veut de toi, ce n'est pas forcément ton âge. Viens lui dire, tu viens parler de la nation, au milieu des enfants de Dieu, pour dire notre Dieu, là, il est merveilleux. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est ce que Jésus veut de toi. Prise alors. Si tu as la langue, tu dors pour l'œuvre de Dieu. Dieu va prendre ça pour son travail. Prise alors. Ouais, la télévision est venue ici maintenant. C'est la télévision qu'on appelle Restauration d'Afrique, c'est ça.
Dieu commence à les payer l'argent. Ils vont commencer à vous voir, vous. C'est pas moi seul, vous. Prise à l'ordre. Donc il faut travailler pour le Seigneur, que Dieu bénisse. Donc c'est ça. Il faut être reconnaissant envers son Dieu. Qu'est-ce que, lisez-moi très rapidement, qu'il y a le truc là. Viens vers ici, viens vers ici. Viens avec ton micro. Lima, le psaume chapitre 9, verset. Psaume chapitre 9, verset 1 à 2. Dans le niveau de l'inverse. Ça va bien. Viens, viens ici. Prise alors. Sois avec nous. Psaume chapitre 9, verset 1 à 2 et le verset 11. Ça aide. Psaume chapitre 9, verset 1 à 2. Oui. Au chef de chambre. Oui. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Tout ce que l'Éternel Dieu m'a fait, je vais raconter ça. Est-ce qu'on a besoin de cacher ce que Dieu nous a fait? On n'a pas besoin. Dieu t'a déjà délivré, pourquoi tu vas cacher ça encore? Dis ça pour que les gens sachent que c'est Jésus-là. Il n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme extraordinaire. Oui. Le verset 11. Verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel. Ou bien c'est le verset 10. 12. Ok, allez-y. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Qui réside en Sion. Qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ce que vous faites. Il faut publier parmi les nations, parmi vos amis, les prophètes de Dieu. Je me souviens, le chef m'a dit, ma femme m'a dit, ah, j'ai parlé de ce qui s'est passé sur moi et ma femme là, à mes amis, ils ont dit, ils vont venir. Il a même parlé à une fille qui est étudiante dans sa maison. La fille est venue faire 3 jours de jeûne ici. Prise alors. Donc c'est ça. Parce que Dieu a fait dans sa vie, il a aussi dit à quelqu'un. C'est ce que nous allons faire. Nous devons faire tous les jours. Si Dieu a opéré des miracles dans ta vie, il faut le dire. Même si c'est petit, dis ça. Il va faire ce qui est plus grand. Prise alors. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Ton bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire le dernier verset dans Psaume chapitre 100, verset 1 à 6. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100. Verset 1 à 10. Psaume chapitre 100, verset 1. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100, verset 1 à 10. Oui. Poussez vers le ciel. 1 à 6. Vers 6. 1 à 6. Oui, 1 à 6. Oui. Pas pour moi. 1 à 6. Oui. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Oui. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en Dieu. Exactement, avec la joie en présence de Dieu. Oui. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, Seigneur Jésus, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous appartenons à notre Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans cette porte avec des louanges. Entrez dans les portes de l'Éternel avec des louanges. Dans la maison de Dieu, en présence de Dieu, avec des louanges. Dansez parmi avec des cantiques. Dansez parmi avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Et bénissez le nom de l'Éternel. Car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité de génération en génération. Que Dieu vous bénisse.
Alors, ce que je vais rapidement annoncer, c'est que ma fille est enceinte et à quelques mois de sa délivrance, les infirmières lui ont dit que ça sera difficile et que je commençais par lui préparer du brillant à la maison et de faire le sport. Il dit, papa, ta fille va accoucher dans 24 heures. C'est vrai, pasteur. Il faut me l'envoyer. Je vais prier. Elle va accoucher sain et sauf. Elle est d'accord, pasteur. Elle passe là. Elle m'a passé par une église ici. Je les ai fait appel. Le chef dit que lui connaît. Donc, rapidement là, effectivement, ils sont arrivés, le couple est arrivé là. Parce que il a prié pour eux le mercredi. Seulement, il dit que le lendemain, ma fille va accoucher. Le soir même. La prière. Effectivement, je suis à la maison, là, je suis ici. On m'a appelé pour dire qu'ils sont partis à l'hôpital. Elle a accouché. Qu'on a recommandé sans passer par les Yamayama. C'est ça que vraiment je suis content du Seigneur. Et aujourd'hui, je les ai dit que quel que soit leur problème, on va venir passer le Seigneur sur tout le monde. Sans maison. Merci beaucoup. Ma femme est enceinte. Les frères sur les neuf mois sont déjà passés. Donc, on disait que si dans 3 jours, elle n'accouche pas, que ça sera césarienne. J'étais d'accord, mon beau-père m'a fait appel pour dire, il a rencontré papa à la Yoa, que nous sommes venus rencontrer papa ici. C'est comme ça que nous sommes venus rencontrer papa. Papa a prié pour nous. Papa a dit que ce soir même là, qu'on ira à l'hôpital, qu'on aura de bonnes nouvelles. On était là, jusqu'à 8h. Elle me disait, ah, papa a dit qu'on est à l'hôpital, que il est déjà à 8h. Je l'ai dit, ah, passe-toi. Après 1 heure de temps, ah, elle a commencé à plus haut. C'est elle, ah, à l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital, hein. Papa est venu là-bas. Ça n'allait pas toujours. Papa a prié pour elle pour dire dans quelques heures elle va accoucher. Effectivement, après le passage de papa, après 1 heure de temps, elle a accouché. Madame, si vous avez ce que j'ai dit, passez pour vous, là, tu étais prêt comme ça. On ne savait même pas qu'elle va se l'aider. Gloire à Dieu. Je m'appelle le nom de Jérôme. Et tu tiens tout le temps. Et pour accompagner ce que vos papas et vos maris viennent de nous sommes venus en grâce.
que Dieu a fait pour nous, ne vous faut pas venir. Et nous sommes juste venus en grâce. C'était à quelques jours de la mission. Disons même que les deux fois étaient prêts à la fin. Donc tout le monde s'inquiétait. Quand on ne voit pas la famille, c'est la terre à l'enfant, c'est le pasteur. Et quand on viendra voir le pasteur, il va prier pour nous. C'était ici que nous sommes arrivés. Et papa a prié pour nous. Il a dit, ma fille grandit. Le travail va commencer cette nuit. Ah, nous sommes rentrés, on était là. Ils sont les prêteurs. Ils disaient, papa dit que le travail va commencer, je le vois encore. Donc, on était là, j'avais déjà fini de prendre ma douche. Quand je suis venue au salon, j'ai vu que le mot coulait sur moi. Ah! Il a arrêté de dire, tu vois, mais j'en ai senti des signes. Ah, c'est comme ça, avant l'hôpital. C'est des signes que nous sommes passés à l'hôpital. On a fait appel pour la maman, nous sommes venus avec mon sac et mon. Donc, on était là, le lendemain. J'étais toujours là, ça n'arrête pas quand mon mari a pris le pasteur, et après nous sommes venus à l'hôpital. En ce moment, il sonnait autour de 8 heures par là. Donc, papa est arrivé. Il a dit que je vais accoucher sans problème, sans pédalier. Donc, il est venu là, il est reparti. Quand quelques minutes après, il s'est rentré dans la salle d'accouchement. Et je vous jure, les frères et sœurs, malgré le choix que les sages-femmes me demandaient d'aller marcher, que tu sois à un doigt, j'ai accouché vraiment à un doigt. Merci. À un doigt. Ça m'a parlé du temps. J'étais vraiment étonnée. Comment une personne peut accoucher à un doigt? Même les sages-femmes ont été étonnées. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu. Amen. Et je dis merci aussi à mon papa. C'est papa, faut saluer le Seigneur. Il m'a sauvé. C'est Jésus qui t'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé. Merci beaucoup. Okay. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu tout puissant, nous te disons merci pour la vie que tes enfants reçoivent dans tes bénédictions. Parce que tu as fait des merveilles dans leur vie. Et sont venus te dire merci, comme ce lépreux qui a reconnu ce que tu as fait, Seigneur, reçois le remerciement. Maintenant, ce crachat qui est sorcier, qui est entré dans la nuit de cette fils, la nuit, cette nuit même, parce que c'est 23 heures du matin, je vous commande, toi ce chat-là, sors et sois dans la transgression au nom de Jésus. Sois taillé en paix selon Dieu. Toi, son enfant, la main de Dieu dans ta vie, sois au nom de Jésus. Amen. Sois taillé en paix. Que le Saint-Esprit de Dieu te pénètre. Que Dieu te pénètre. Que Dieu commence par résider en toi. Amen. À habiter en toi. Amen. Sois glorieuse. Comme Dieu te l'a bien fait au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Cette sorcière va mourir bientôt. Amen. Vous avez compris? Et vous allez prier tout ça pour ça. Amen. Oui, oui.